De nouveaux étages, des plafonds de bois, une nouvelle vue imprenable sur la ville, la tour Brinfo à Molenbeek est en pleine transformation. Avant le chantier, ces 97 logements sociaux étaient presque désertés et ne répondaient plus du tout aux normes sécuritaires. Plutôt que démolir pour reconstruire, les architectes ont préféré lui donner une nouvelle vie. On a réutilisé donc 100% de la structure existante, donc des colonnes et des poutres en acier. Et on a réélargi d'1,50 m de part et d'autre la tour pour reprendre une rehausse de 5 étages. C'est justement pour cette réutilisation de structures exemplaires qu'Urban Bruxelles a choisi le chantier pour présenter le thème de la prochaine semaine de l'architecture qui débutera le 15 octobre. Ce thème, c'est l'urban sourcing ou l'utilisation de matières premières présentes en ville. C'est un bâtiment qui serait probablement détruit ou démoli dans les années 90 pour remonter un nouveau tour. Et nous, on croit que c'est beaucoup mieux de revaloriser ce qu'il y a déjà pour diminuer non seulement l'empreinte écologique, mais aussi tout le travail qui est autour de ça. Un bon exemple donc, car ce n'est pour l'instant pas la norme dans le secteur de la construction. Il faut récupérer le matériel en cas de démolition. On est très bien déjà en cas de recyclage du matériel, mais pas encore dans la réutilisation du matériel. On peut trouver en milieu urbain beaucoup de matériel pour construire de nouveau, soit de nouveau carrément, soit en cadre d'une rénovation. Revaloriser les infrastructures en place, mais aussi utiliser les terres et les bois locaux dans l'architecture, c'est ce que défend cette semaine de l'architecture qui veut voir Bruxelles comme une véritable mine de ressources.